Merci d'être là. Nous sommes en famille. C'est par ces mots des bienvenus qu'a démarré la semaine de la science et des technologies 9e édition, avec pour thème les technologies spatiales au service du développement durable. Cette édition est particulière dès par sa thématique, nous révèle Madame Raïssa Malou, initiatrice et fondatrice de l'ASBL Investing in People, qui a par la même occasion donné l'objectif poursuivi. La semaine de la science et des technologies a toujours trois objectifs. Celui de développer une culture scientifique et technologique auprès des jeunes et du grand public, de promouvoir les savoirs et savoir-faire congolais et africains dans ces domaines et surtout de susciter des vocations. C'est ce que nous faisons depuis 9 ans maintenant. C'est le thème déjà, donc, où on a décidé de traiter des technologies spatiales. Il faut savoir que c'est quasi la première fois qu'on a un pays francophone qui va vraiment traiter de ces questions. En général, ce sont les pays anglophones. Plusieurs exposés ont été faits au cours de cette activité. L'on peut citer celui de l'ambassadeur de la Fondation, Denis Nyakeru Tshisekedi, Youssouf Mouloumbou, qui s'est livré à un dialogue, question de parler de son expérience. Outre cet exposé, quelques exposants tels que Marem Kéré du Sénégal a révélé l'importance des technologies spatiales. C'est de faire une corrélation entre ce qui se fait avec les pays qui utilisent la technologie spatiale et leur position actuellement par rapport à l'atteinte de ces objectifs. Il en est de même pour les docteurs Nzamouche, chirurgien viscéral, qui a parlé du système des réinsigations digestives. Donc la thématique, c'est que j'ai parlé d'un système de réinsigation digestive. C'est une espèce de prothèse, on va dire d'intestin artificiel externe, qui permet chez les gens qui ont des trous au niveau de l'intestin de récupérer ce qui sort et de pouvoir remettre dans l'intestin, de faire une espèce de continuité. L'un des initiateurs de ces projets, l'ex-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Maker Mwango, a jeté des fleurs à Raïssa Malou pour la continuité de cette œuvre tout en l'encourageant. Nous avons initié avec Madame Raïssa Malou, quand nous étions encore au ministère de l'enseignement primaire, c'est alors que nous avons lancé la semaine de la science. Je tiens vraiment à la féliciter parce qu'elle a poursuivi sa route. Il s'y est dénoté que cette 9e édition connaît la participation des représentants de 9 pays, tels que la République démocratique du Congo, les Congo-Brazzaville, le Soudan, les Nigeria, l'Allemagne, le Cameroun, la Belgique, l'Italie, ainsi que les Sénégal.